Alors, un pouvoir, enfin, d'après moi, c'est pas tellement un pouvoir d'affrontement ou de voilà, c'est plutôt, ils ont le pouvoir extraordinaire de faire apparaître les choses. C'est-à-dire, ils ont le pouvoir de représentation. Et en plus, ce sont des représentations qu'on peut échanger. Et donc, arriver à parler, c'est arriver à montrer les choses qui, sans cela, seraient peu visibles, floues et confuses. Et ces choses-là, on peut, après, les partager avec d'autres. Donc là, c'est un pouvoir, mais au sens presque de pouvoir magique, et non pas au sens de pouvoir de combat ou d'affrontement. C'est finalement mon métier qui est de raconter des choses. Mais se place exactement là, c'est-à-dire faire jouer ce pouvoir magique des mots pour faire apparaître les choses qui, sans cela, seraient très très difficiles à voir.